Deuxième partie du Grand Journal, merci d'être avec nous. Voici les journaux des sports. Le rendez-vous des sports sur votre chaîne, bienvenue à tous et merci d'être avec nous. Avant tout, les titres. Mondial des dames de handball, nouvelle défaite pour la RDC, déjà battue samedi par l'Argentine et le Parc sont à nouveau incliné ce lundi pour leur deuxième sortie, défaite contre le Brésil, score 11 contre 26. Autre mondial, c'est celui de club, quelques jours nous sépare du début de la compétition. Le tout-puissant Mazembe, représentant du continent africain, est déjà en route pour le Japon. Les Corbeaux prennent au sérieux le rendez-vous dans ce journal. Vous écouterez les présidents du club Moïse Katumbi et les coachs Patrice Kerderon. L'info sportive sur Télé 50, bienvenue à tous et merci d'être avec nous. On ouvre avec la Division 1, la phase retour du championnat national a démarré comme prévu le week-end dernier dans la zone ouest. On a joué samedi à Kinshasa, victoire d'un club Outempembe sur l'Est Dragon à Bilima sur la marque de 2-1. Ce succès permet à Desampé de rester en tête du classement avec 24 points. Résumé du match. L'opération jouée sans perdre se poursuit dans un club Outempembe. Après une phase aller bouclée sans la moindre défaite, les Verts et Blancs ont repris leur bonne dynamique. Samedi, à l'ouverture de la phase retour, les Imaniens ont remporté une nouvelle victoire. Cette fois, contre Dragon Bilima, un adversaire à qui ils ont infligé une raclée au match aller 6-1. Mais cette fois, les Rouges Or ont bien limité les dégâts que la victoire imanienne a longtemps tardé à se dessiner. Sur le terrain, logiquement, DSMP a marqué en premier. Kevin Parsema profite d'une balle arrêtée pour débloquer les marquoirs. 20 minutes après la mi-temps, Giganchi Doxa place son club dans les conforts. Un confort de courte durée, puisque Kalonji Nira permet aux monstres de réduire l'écart 10 minutes après. DSMP a même frôlé les ridicules, sauvé par les montants des Matampi sur ses penalties de l'Andunzaou. 2-1, score final, DSMP assure l'essentiel, la victoire et les 3 points pour rester en tête avec 24 points. Après ces matchs, les deux coachs se sont exprimés. On prend d'abord celui du DSMP, Mouni Zahira, content d'une nouvelle victoire de son club. On le suit. Ce sont les calendriers qui ont changé. À partir du moment où le calendrier a changé, ce n'est plus question de dire les joueurs qui n'étaient pas qualifiés à la date de semaine ne pouvaient pas jouer. La preuve, l'équipe des Dragons a aligné 2 ou 3 joueurs ivoiriens qui ont signé le même jour que nos joueurs. Et là, l'essentiel, c'est de prendre les 3 points. Et là, je suis satisfait. Ben jusqu'où on compte aller. Nous, ce n'est pas question de ne pas perdre un match sans défaite ou pas. Nous avons un objectif, c'est être dans les 3 premiers. Être dans les 3 premiers. Et aujourd'hui, avec la défaite de MK, le troisième a déjà 9 points de retard par rapport à nous. Donc c'est une bonne journée pour nous parce que déjà le troisième est à 9 points. C'est à nous de rester dans la régularité et de continuer à travailler pour qu'on arrive à être dans les 3 premiers. Ah ouais, naturellement, de l'autre côté, on est déçu, surtout après ce penalty manqué qui aurait pu changer le cours du match. Entraîneur de Dragon. La loterie, là, le penalty. Mais comme je vous avais dit que la TAM n'a pas été bonne, on a très très mal démarré le match. Bon, ça, c'est les joueurs. Et puis, bon, ça arrive. Problème physiologique. On va essayer de comprendre pourquoi on n'a pas bien commencé le match. Mais ce qui est important, on a terminé très bien. On était là présent. On a créé des occasions. On a réduit. On a même raté les penalties. Moi, je pense qu'on n'a pas eu la chance de faire la différence aujourd'hui. Outre ces matchs, il y avait également d'autres matchs ce week-end. Alors, tous les résultats dans la zone ouest. Rojolou a battu MK par 1-0 grâce au but de Lumanissa Pimpa. Akikwit, Vutuka et RCK ont fait un nul blanc dans la zone est. Abunia nul entre Eldorado et Nika, un but partout, c'est le score. Et à Kindu, Koivilombe a battu Mungano 2-1. Et puis dans la zone centre-sud au stade de Tikisha, dans le derby de Mujima et Océan Pacifique, a mordu logiquement la poussière face à Sa Majesté Sangabalende, 0-1. Et à Lubumbashi, groupe Bazano a fini par tomber contre Lubumbashi Sport, score de la partie, 2-3. Parlons à présent du mondial de club. Jour J, -3 pour le début de la compétition. Les représentants africains sont déjà en route vers le Japon. Le tout-puissant Mazembe a quitté le pays ce lundi. Les Corbeaux sont confiants et optimistes. Explication tour à tour du président du club Moïse Katumbi et du coach Patrice Kerderon.
mission. On sait qu'on a un premier tour difficile, mais qui est malgré tout à notre portée, malgré tout le respect qu'on a, soit pour le champion du Japon, soit pour Auckland. Ce serait formidable d'arriver déjà en demi-finale. Et après, ben, on sait qu'on aura un exploit à réaliser face à River Plate, qui est champion d'Amérique du Sud, champion d'Argentine, grande équipe avec beaucoup de très grands joueurs. Donc il y va avec l'ambition de faire un grand championnat du monde. Bah, il faudra faire trois exploits, hein, se qualifier pour les demi-finales, après contre River Plate, je viens d'en parler, et puis pour battre River Plate et le Barça, il faudrait être dans une semaine fantastique. Maintenant, quand on y croit, tout est possible. Non, on ne peut utiliser que les joueurs qui ont participé à la Champions League, donc il n'y aura pas de joueurs supplémentaires dans l'effectif. Encourager d'abord le joueur et demander à la population congolaise et surtout à tout le peuple africain de supporter leur équipe, surtout dans la prière. C'est à nous de travailler et d'aller de l'avant. Dieu est important. Donc nous devons aller remercier le Seigneur pour la Champions League que nous venons de gagner. Et nous allons demander à Dieu de pouvoir bénir le peuple africain pour que Mazembe puisse ramener cette coupe. Je sais, il y aura beaucoup de gens qui vont dire que c'est impossible, tout est possible avec Dieu. En compétition, au deuxième tour sera le dimanche prochain contre le vainqueur du match entre Auckland City et Sunrise, champion du Japon. On va finir avec le handball mondial des dames 2015. La compétition a démarré depuis samedi dernier. Les nouvelles ne sont pas bonnes pour la RDC. Battue lors du premier match, les Léopards se sont à nouveau inclinés ce lundi contre le Brésil. Score de la partie 11 contre 26. Pour le reste de la compétition, les Congolaises affrontent ce mardi 8 décembre la Corée du Sud. Ensuite, la France jeudi, avant de finir avec l'Allemagne le vendredi. Voilà tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. À bientôt pour un nouveau numéro. Ciao.